Salut les amis, c'est Delta. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'aventure Minecraft devant la plus belle maison du serveur. C'était ça en fait que je voulais balancer depuis tout à l'heure. C'est pour ça que vous venez tout suivi. Et je suis compagnie de Pierre Pedro qui nous a rejoint sur le serveur. Il a enfin Minecraft. Bisutage. Bonjour. Bonsoir. Où voilà. Est-ce que tu es en fait Mon Dieu, Pedro, c'est un jeu. Oh mon Dieu. Et je suis en compagnie de Alpha, Valo et MCHLA. Donc Alpha aussi qui a rejoint le serveur. Salut. C'est magnifique. Ouais. Voilà, avec sa voix de puceau. tu vas voir. Tiens, T'es où Tiens, vol. Est-ce que tu as bien fait voir mon skin à tes abonnés? Voilà, ton skin incroyablement... moche. On n'a rien dit. Derrière, il n'est pas bien fait. Voilà, ton skin magnifique. Ah oui, en plus, il n'est pas update 1.8. Regarde derrière. Voilà. Regarde derrière, tu regardes son pantalon derrière. C'est très bien fait. Ah oui, c'est magnifique. Pourquoi vous regardez ces... Tout le monde l'observe. Il y a pas de cicatrivant. Mettez-vous en F5, vous allez voir, c'est épique. Ah ouais. Avec tout le monde qui regarde Pierre-Antoine comme ça. Il est différent. Il est différent, tapez-le pour voir. Ouais. Tout le monde le pointe du doigt, différent. Ouais. Il a pas d'armure, faut en profiter. Ouais. C'est ce qu'on m'a dit mon premier jour d'école. Ouais, tapez le différent. Arrêtez. Va dans la mine. Pierre Pedro sur Minecraft, c'est une nouveauté. Et c'est uniquement sur la chaîne de Delta. Et la chaîne de Valo aussi, attention. Hey, Valo. Putain, MCHLA, tu commences sérieusement à me faire chier. Valo qui nous fait le mur de Berlin. On aime le mur de Et Berlin. Je me suis fait enfin un stuff digne de ce nom. Vous pouvez mettre pause si vous voulez voir un petit peu. J'ai rien fait. Voilà. C'est pas moi, c'est Pierre-Antoine. Voilà, nous on détruit le mur de Berlin, on est en 89. Yeah. Voilà. Ouais. On est... Vive le capitalisme. Vive le capitalisme qui détruit le communisme. Oui. Et du coup, bah, j'ai personne pour sur qui me TP sur cet épisode pour aller directement aux maisons. Bon, on va y aller à pied. On doit pas se TP. Ah bah non, nous on est en hardcore survie, méga hardcore. Tu veux, je peux t'aider à avancer plus vite. Hardcore. Non. Ouais. Non, ça ira. T'as recul combien sur ton arc? 18. Autrement dit, tu te TP à l'autre bout de la map sans avoir le temps de cligner des yeux. Oh. Et il y a Pierre Pedro qui va rester coincé dans la mine. Elle est où la sortie? Vous pouvez aussi regarder le nombre de morts. Ah, merci. Ça c'est gentil. On peut dire que j'ai été beaucoup aidé par mes camarades. J'aime bien les morts. Et bien accueilli. 3, 4, 52. Le bizutage. Ouais. Voilà, et du coup, on va faire un tour des propriétés puisque Alpha a déjà fait sa maison. Faut que je bouffe. Faut que je mange. Ouais. MCHLA a fait quelques modifications. Valo aussi. On a une nouvelle tour. On a plein de trucs épiques et tout. Enfin, il y a quelqu'un qui a fait pour moi. Moi, t'as oublié de dire que j'avais fait ma maison. Ouais. Ah oui, mais. ouais, t'inquiète, on va la montrer ta maison. On va tout montrer, ça va être beau. Tour du serveur. Allez, creeper sur la maison à MCHLA. Quoi? Oh, il y a 3 creepers derrière Alpha. C'est un aimant. Ouais, donc voilà, hein, et la piscine à débordement, je sais pas si on l'avait montré. Je crois pas. Oh putain, creeper qui a explosé devant Pierre-Antoine. Non, mais. Non, Pierre Pedro, bref. Ouais, mais tout le monde. Ta gueule, Malvin. Domicilié à... Il avait fait exploser 2 creepers, tranquille, ok. Voilà la salle des coffres automatisée de MCHLA. C'est très magnifique. Moche, c'est pas ici. Si. Non. C'est ici. C'est pas ça. C'est ici. Valo, tu pouvais pas savoir, j'étais pas là. Il y a une poule chez toi qui est en train de remonter ta piscine à débordement. Là, tu mets les items et ça monte tranquillement dans le verre. Voilà. Oh. C'est beau. Et puis c'est après, magnifique. Et puis après, c'est trié dans les coffres. Voilà. C'est tout simplement incroyable. Tout simplement très intéressant. Ouais, surtout le design de cette pièce, c'est... Voilà. Pouf. On voit la terre. En fait. J'adore, moi. Quoi? Je veux de la... Voilà. Merde, on voit la terre. Bah oui, ça fait très rustique. Vous pouvez voir ici un magnifique truc. Un truc, voilà. C'est quoi, le truc? Un trou. Regardez. Mais je suis dans un magnifique trou. Magnifique regardez. Trou. Voilà. Un magnifique trou. Où tu te fais bizuter.
Tu te fais bisuter dans les trous. Avec des fours auto et une machine à pompe. Et ça, c'est la principale cause de lag sur le serveur. Voilà, exactement. Ouais. Donc, c'est pour ça, dès qu'on approche la maison d'MCHLA, regarde ce que ça lag aussi. Comme des porcs. Hein, d'ailleurs, faut que j'en tue, mais c'est pas voilà. Il oh, y a trop de poulets maintenant. Tu devrais arrêter. Et évidemment, la tour de Valo. Tu te plains d'avoir trop de deux, mais t'as vu tout ce que t'as comme œuf dans tes poules, là, tout ce qu'elles produisent. Mmh. La tour de Valo, et on va y mettre le feu devant vos yeux ébahis. Elle est jolie. Enfin, non, elle est moche, mais elle est détaillée. C'est parti. Elle est détaillée. Ah oui, ça c'est sûr, elle est détaillée. Ah, il a. C'est à l'image du serveur. C'est moche, mais on va le laisser. C'est quoi ces œufs? C'est pas pour dire, mais là j'ai vu plusieurs flèches qui ont transpercé le manoir de la tour magnifique de Valo Stylo. Ouais, elle est invincible, t'inquiète pas. Enfin, en tout cas, et du coup, je me suis mis en FOV 90 à la demande de Valo. T'as mis des poulets chez moi? C'est pas des poulets, c'est des canards qui sont arrivés. Oui, des putains de canards qui vont crever. Je sais pas si on avait montré la maison de Valo totalement terminée. Je pense non, on l'avait pas montré. Enfin, vous l'aviez pas montré parce que moi je regarde des épisodes et non, vous l'aviez pas montré. T'es le seul de la série à regarder les épisodes. Non, moi je les regarde. Je les regarde tous. Tu les regardes aussi? Oui. Oh. Oui, mais sur sa chaîne. Non, sur la chaîne de. On se perd son. Et du coup, t'avais pas vu la cascade et tout ça que. Ah oui, du coup, non, chez moi ils l'ont déjà vu. Ouais, chez toi ils l'ont déjà vu. En caméra, je l'avais pas montré en caméra. Okay. Vous pouvez voir en face de vous la magnifique maison de Pierre Pedro. Voilà, magnifique. Voilà, et on va y mettre le feu tout de suite. Bah non, non. Non, c'est. La... Il va pile poil de là où je l'ai mis, quoi. Non, mais franchement. Ok, donc ici, la maison de Pierre Pedro. Voilà. Très voilà. Joli. Hein. Il y a un arbre qui a poussé. Voilà. C'est un gros arbre. Ah, le pauvre, ah ouais, il a un peu quand même. Hein. Il s'est séparé, il s'est raccordé en haut. Ouais. J'ai pas fini l'arme, mais c'est pas grave. Alpha est en train de contempler la maison. La maison, ouais, la ouais. Maison de Pierre Pedro qui n'est pas finie, hein. On va pas dire qu'elle est finie parce que c'est. Oh, il manque des détails sur la façade. La façade est un peu trop. Un petit peu comme toutes tes blagues, elles sont pas finies. C'est la violence. Voilà, c'est Pedro qui découvre la méchanceté des émissions de Minecraft. C'est tellement. Voilà, et on va visiter enfin la maison de. Alpha. Qui est très grande. Juste ici. La jolie entrée. Aïe. Ouah, t'es passé juste devant, désolé. Tiens, pour la peine, je vais tirer sur Pierre-Antoine. Eh, mais c'est quoi? Putain, l'araignée, elle m'a foutu en feu. En fait, je l'ai tapé, elle était en feu, du coup, ça t'a tapé, je pense. Allez, Alpha, fais-nous visiter un petit peu ta maison. Vas-y, tu rentres. Ton domaine. Et moi, tu m'as même pas demandé de la faire visiter, ma maison. C'est pas une maison. Mais toi, y a pas d'entrée. Moi, je peux se trouver intéressant, c'est ce coffre. Oui, on a une. Non, mais tu lui laisses mes diamants tranquille. Non, ce coffre. Oh là, rends-moi mes diamants. Rendez-moi. C'est pas moi. Mais MCH. Tu me rends. Non. Tout le monde a pris un petit peu du truc. Rendez-moi mes trucs. Oh putain. Il y avait plein de diamants par terre. Oui, des diamants, j'en avais besoin. J'ai eu mon achievement. Oui. Des diamants pour vous. Ah, il y a un achievement pour les deux. Rends-moi mes diamants. Tara, ça arrête de les éparpiller partout. Mes diamants. Eh putain, mais je vais t'éclater, Melvin. Ça suit à la chaîne derrière, c'est trop marrant. Il y a tout le monde, tu sais. Il y a de l'Elta qui a tout récupéré. Pas du tout. Je vois pas de quoi tu parles. Non, mais j'ai plus rien. M'en fous, c'est ta faute, dégage, hérétique. Ah bah si, j'en ai récupéré un, tiens. Envoie mes diamants. Valentin. Mine diamond. Non, je n'ai pas de diamants, monsieur. T'as mis mes diamants. Mes diamants! Oh, il y en a 36 quand même! Hein. Non, il y en a 54 à la base! Hein. Oui, rends-moi mes diamants! Moi j'en ai mis 4 dans ton coffre! Moi j'en ai plus! Merci, Valo! Oui! C'est quelqu'un de responsable! Voilà. Ah ouais? Ouais! Ah, mais c'est magnifique ça! J'ai eu pas mal de temps! Hein. Et dans 2 minutes, on va entendre le petit bruit de Skype! Mais le temps, rends-moi mes diamants, putain! Non, mais je te les ai rendus, ça, je t'assure! J'ai plus rien du tout! Il va manquer le Valo les a mis dans le sac. Donc t'en as combien? Je suis seul qui a eu un gros bug ou pas? Oui, parce que t'es sur Apple. Ouais. Ça parle mal. Ah ouais. Oh. Merde.
Donc du coup, toujours pas de chrono pour cet épisode, mais vous connaissez un petit peu les épisodes construction, c'est... Il n'y a pas trop de but, en fait, à ces épisodes. Ouais, construction, du coup, t'as récupéré tous tes diams. Ouais, ça y est, je les ai. Est-ce qu'entre-temps, t'as fait visiter l'intérieur de ma maison, Delta? Par contre, vous pouvez me prendre mon fer aussi, s'il vous plaît. D'accord. Yep. Le fer. Ce serait gentil. T'as dit, vous pouvez me le prendre, alors je vais le prendre. Le rendre, j'ai dit, enfoiré. Je vais faire visiter ta maison, du coup, Pedro. Bah, vas-y. Putain. Est-ce que tu te rappelles où est l'entrée? Oui. Ouais, très belle entrée chez Pierre Pedro. Elle est juste en dessous de ta maison, non? Ouais. Putain, j'arrive pas à me reconnecter au serveur, c'est normal ou pas, là? Putain. En même temps, t'es dessus. Normal, t'as été banni. T'es un peu dessus, mec. Ouais. Merci. Non, je suis pas dessus, mec. Si, t'es dessus. Oui, t'es dessus. C'est un bug, faut que tu relances ton jeu. Mais ça fait deux fois que je vais devoir le relancer, là, le jeu. C'est ton PC. Enfin, si on peut parler de PC. C'est pas un PC, c'est un mec. Je trouve ça un peu fort de parler de PC quand on sait que le tien est pas mieux. Bah, si. Si, si, le PC de MCHLM est meilleur. Juste. Déjà, c'est un i5. Pedro. Oui, ton ping n'est pas régulier. Comment ? Ton ping n'est pas régulier. Il y a d'autres choses qui ne sont pas régulières, Valo. Hein. Ah oui, non, oui, d'accord. Mais le T qui. Oui, il y a un T. Oui, on est d'accord. En fait, il a voulu faire comme le G et ça fait un T. D'accord. Bah, c'est comme ton M à toi et le. Oh putain ! Le mec, il revient même pas. Je t'ai dit, donc du coup, on vous avait dit qu'on allait construire la tour et maintenant on va construire aussi une sorte de parlement, un tribunal. Un tribunal. Putain, j'arrive plus à me reconnecter sur ça. Je suis toujours affiché connecté là. Yep. Maintenant, ça va plus être un parlement qu'un tribunal. Est-ce que quelqu'un peut je l'appelle le tribunal parce que je trouve ça classe. Mais c'est fait. Ouais, c'est fait classe. Merci. Et t'es encore dessus. Ok. Ouais, ça me dit qu'il est encore dessus moi aussi. Oui, moi aussi. Le mec, je le kick, il est encore dessus. Cheater! Le mec, il enlève. Et... Qu'est-ce qu'il fait? Un M. Vous m'avez énervé, je vais miner maintenant. Le mec, il va miner en épisode. Moi, je vais faire la pierre au milieu de l'étang. Vous avez déjà fait des épisodes hein, où vous miniez. Oui, d'accord. C'est là maintenant. Oui, non, là, c'est fini. Là, on va miner hors épisode. D'ailleurs, j'ai récupéré pas mal de stacks de quartz, comme vous avez pu voir hors épisode, qui m'ont permis de faire mon. T'en as combien en fait? Un bon paquet, peut-être. Ouais, c'est-à-dire 8. Combien? Parce que 8? Ouais. Bah, il t'en reste 3 maintenant. Non. Si, tu m'en dois 5? Non. Tu m'en dois non, 5. Je t'en dois 3. Je t'en dois 3. 5. Je t'en ai donné non, 5 au total. Non, tu vas voir le dernier épisode. Au tout début, je te donne 3 stacks. Quel 2 stacks au tout début? On n'a jamais si, entendu les deux parler stacks, de ça. Parce que je suis allé les chercher avec toi, les 2 stacks de... Jamais. Si. J'aime bien le jamais. Non mais moi, je vois pas de quoi tu parles. Juif, hein, comme dirait certains. Je donne mais je reprends tout moi. En fait, je donne mais tu dois me redonner plus. Voilà. Ça y est, il en peut plus. Ça crise. C'est normal. Ça arrive souvent. Bon, alors je n'arrive plus du tout à me reposer sur le serveur. On réglera ça. C'est Mac. C'est Mac. Donc voilà, j'ai continué un petit peu ma maison, j'ai commencé à faire des paliers. J'ai jamais bugué sur le serveur à part aujourd'hui et puis c'est un jeu. T'as relancé ton jeu en entier ? Bah là, je viens de. Ça fait la. Attends, quatrième fois là que je. Cinquième fois du coup que je quitte Minecraft pour le relancer. Voilà. Oh non, j'ai tapé une fleur. Non, la fleur. Non, Valo, non, la fleur. Tiens, va dans l'eau. Va dans l'eau. On avait dit pas la fleur, Valo. Va dans l'eau. Tiens, t'es dans l'eau. Vous êtes où? Y'a pas quelqu'un qui peut faire ça? Ah, tu vas mourir, Valo. Tu vas mourir, Valo. Personne ne veut t'aimer, Antoine. Personne ne t'aime. Je t'ai vu dans l'eau, Valo. Eh ben alors, Valo, qu'est-ce qui se passe, Valo? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben dis Valo. Eh les mecs, t'as un nouveau casque, Valo. Je peux l'essayer. On est chez Delta. Ouais, je vois. On est chez Delta. C'est un peu tard. On est en train de poser des bûches, Valo. Vous êtes où? On est chez Delta. On fait des choses chez Delta. Ah bah toujours. Hein. Il y a toujours personne qui veut essayer de faire un truc. J'ai qu'un cœur de dégâts là. Et encore. On peut rien faire, ça que tu comprends pas. Non, moi c'est juste parce que j'ai pas bouffé. Donc. Ah bah tiens, du diamant. C'est pas mal ça.
Moi, je disais à Delta hors caméra la dernière fois que je regrettais de ne pas avoir fait l'aventure Minecraft avec vous dès le début. Ah, c'est bête. Je regrettais de ne pas avoir le jeu. Mais bon, de... tu vois, tu comprends, Minecraft, c'est tellement de la merde. Non, mais tu te rends compte? Ça sert à rien. Nous, on regrette de t'avoir invité. Un jeu vidéo où tu poses des Legos. Voilà. Ouais, parce que moi, j'ai jamais dit ça. Je sais pas pourquoi tu soutiens ça, j'ai jamais dit ça. Bref. Bref, allez, moi je pose encore quelques murs. Et moi et Valo qui le faisons chier. Et Valo qui tapait sa tête contre les blocs que je posais. Boing, boing. Boing, boing, boing. Boing, boing, boing. Boing, 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 boing. On vous l'a dit, hein, ces épisodes n'ont aucun but. On fait en sorte que la série dure beaucoup de temps, comme ça il y aura plein de vues. Comme ça, on aura plein Putain, ouais, plein d'argent et tout. Putain, je suis toujours sur le serveur, c'est pas normal. YouTube Money, tout ça, enfin... Ouais, et puis une fois qu'on sera millionnaire, on va se barrer au Qatari. Non, mais là, il est toujours noté connecté sur le serveur. Oui, mais lui, il faut qu'il se reconnecte. Que je me reconnecte. Ça me l'a déjà fait, Pat. Vous me repassez l'IP du serveur et je me reconnecte, du coup, c'est ça? Mais non, tu te reconnectes, tu as juste à double-cliquer sur le truc. Ouais, il peut pas, il est déjà connecté. Il a déjà. Il peut se reconnecter quand même. Ça, en fait, il va se voir, il peut se taper. C'est un bug de Mojang. Mais bon, Microsoft maintenant. Mais bon, c'est pas grave. Oui, oui. Ouais, bah ouais. Ah, donc, Voilà, donc j'ai double-cliqué. Ça me fait login depuis tout à l'heure. Login. Bah, ça le connectera pas parce que ça lui dira qu'il est déjà connecté. Non, il peut se connecter. Je soutiens la Donc sinon vous pouvez faire la promotion de vos chaînes si vous voulez, c'est la gratuite. Ah bah oui, vous pouvez m'abonner. Bah, moi, je voudrais... Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, il n'y a pas de vidéo. Il y avait des vidéos. Il y en a qui ont essayé de les regarder, ils ont eu des problèmes. C'est ça. Antoine, tu fais pas du tout écouter là. Ils se sont retrouvés chez le psychologue, on se demande pourquoi. Eh putain, non, j'arrive pas à me reconnecter hein. C'est dommage. Ouais, et tu fais faire des rollbacks. Yep. Ouais, je redémarrerai le serveur après la vidéo. Bah, on fera ça comme ça. Et le squelette, ramène ton cul. Parce que du coup, je vais faire la vidéo sans être dedans, en fait. C'est ça. Voilà, exactement. T'es con, hein. T'étais juste là pour le bizutage du début. C'est comme dans Delta Force. T'es pas vraiment dans Delta Force, je suis beaucoup plus présent, même si je joue pas. Ah. T'es présent spirituellement. Voilà. C'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, le Delta Force qu'on va reprendre d'ici peut-être quelques jours maintenant. C'est pas terminé le Delta Force? Non, ça reprend. Si, ça va recommencer. Ah non, c'était que le début. Ouais. Ah oui, bah non, là on est reparti pour une série de malades. Là, on a un nouveau buff, on a une nouvelle fourchette, donc c'est bon, tout va bien. Ouais. Ah ouais, bah oui. Là, il faudrait que je tourne le trailer d'ailleurs. Je voulais dire quelque chose aussi, que même si sur Minecraft, du coup, c'est la première fois que j'y suis, mais je voulais remercier tes abonnés, je pense pas que c'est les mêmes que Minecraft. Je voulais quand même remercier tes abonnés. Ils s'incrustent partout. Tu peux éviter de me couper la parole en vidéo 5 minutes, espèce de con. La violence. Tu disais rien du tout. Non, tu disais rien du tout déjà. Voilà, en fait, je construis pour Valo, pour qu'il puisse marcher. Donc, je disais que je voulais remercier tes abonnés de cette abonnée à ma chaîne, car aujourd'hui... Delta, là où je suis. Oui. Toi aussi, tu peux éviter de me couper la parole. Oui, on peut éviter, mais on le fait pas. On pourrait, tu vois, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est rare. Je voudrais remercier les abonnés de s'abonner à ma chaîne parce que du coup, j'en suis à plus de 500 abonnés, donc ça me fait très plaisir et voilà. Voilà, mais tu sais ce qu'ils attendent, les abonnés qui sont abonnés à ta chaîne? Des vidéos, je sais. Mais là, justement, on est en train de... Enfin, on va écrire un point info avec Valo qui est ici présent. Voilà. Oui, ça va être joli. Ça va être très joli. Ça va être très joli. Il va y avoir un gangbang à la fin de la vidéo, tu sauras pas pourquoi. Voilà. C'est ça. Une production Valo et Pedro stylo. Voilà, le nouveau couple de l'année. Voilà. Ouais. C'est pour ça que je suis pas homosexuel en fait, tu vois, c'est ça. Les pires youtubeurs du monde réunis dans la vidéo. Eh ben, les pires youtubeurs du monde, ils ont été réunis dans une vidéo sur GTA V et on a trouvé ça énorme. Ouais. Faudra qu'on continue. Ouais, faudra qu'on continue, mais justement, tu vas venir pendant les vacances. Non, j'ai pas fait ça. Antisémite ! Antisémite ! Antisémite ! Non, bah, ça marche pas, je peux toujours pas me reco au serveur. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui avec ma connexion, mais... C'est dommage. Oh non, mais sérieusement. Un truc a expiré.
Le pire, c'est que s'il y a un creeper qui arrive sur toi, il peut exploser parce que potentiellement, t'es sur le serveur. Potentiellement, je suis dans la maison Alpha, donc... Bon, ça veut dire... C'est pas très important. potentiellement, je vais vous casser la gueule dans ce cas-là. Oh, potentiellement, peux-tu me tuer sur le serveur? Comme ça, peut-être que ça va faire un petit truc, non? Ça fera rien du tout. D'accord. Contact Mojang, enfin Microsoft. Fois qu'ils t'écoutent, eux. J'ai que ça à faire. Et puis ouais, eux, ils ont pas que ça à faire. Oui, c'est surtout. Oui, voilà, c'est plus. Je serais plus d'accord de le dire dans ce sens-là, c'est plus clair. Bonjour Microsoft, j'aimerais signaler votre incompétence, parce que je l'arrive pas à me connecter avec mes amis. C'est lequel? Attends, Vincent, ils reçoivent des dizaines d'appels comme ça chez eux. Je ne sais pas qui m'avait envoyé cette flèche, mais je l'ai renvoyée. C'est bien, on s'en bat les couilles. Bah toi. Je sais même pas où t'es, donc ça peut pas être moi. Je sais pas. Ah bah moi, je suis présent sur le serveur, mais je peux pas diriger mon père. Moi, je crois que c'est Pierre-Antoine, je crois. Ouais. Pedro, connard. T'as un si joli prénom, attends, faut le dire. Non, c'est bon. Tout le monde l'entend, faut que le monde entier l'entende, faut que la France l'entende. Ah, ouais, tu veux chier le prénom. Il s'appelle Melvin d'abord. Tout le monde le sait aussi. Hein. Voilà. Et si je veux, je peux carrément dire ton nom de famille. What? Ah, ok, d'accord. Comme je peux dire, si je veux, Jocelyn Lambert, tu vois. Ouais, je fais quoi? Je le kick dans le torquet. Je le kick, je fais quoi? Oui, tu peux. Vas-y. Pas en vidéo. En vidéo, c'est pas censé se faire, ça. Si, justement. Et tiens, pour m'avoir envoyé des flèches, il va te déranger. Je sais pas si on peut appeler ça une vidéo, hein, réellement. Parce que... Oui, là, non. Non, ça, c'est un carnage. C'est pas une vidéo. Quoi, wow, attends, j'ai plus de vie. Attends, j'ai plus de vie. Clairement, tu veux pas la recommencer, ta vidéo? Non, bon, c'est bon. Non, elle est magnifique, elle est exceptionnelle. Attends, elle est super. Moi, j'adore ce genre de vidéo. Clairement, si tu la recommences, moi, j'aimerais bien qu'on puisse... Mais Pierre-Antoine, c'est bon. Pierre-Antoine, on s'en fout de ton avis. Melvin, hein, sérieusement. Pierre-Antoine. C'est long, c'est énorme. Putain, vous m'avez fait suer pour que je vienne sur WOD. Bah, si c'était la même chose, tu vois, autant que je reste juste sur Minecraft. Mais WOD, c'est pas compatible, Mac. Ah, mais WOD, il y a moins de bizutage. J'en sais rien, mais en tout cas, j'espère que c'est moins cher que Minecraft. Oh. Enfin, quoi que la dernière fois, je t'ai balancé un bon truc quand même, Valo. Avec le coup de jeter. T'aimes bien Valo pour l'instant? L'abonné. Ouais, c'est classe là, le caillou là. Il y aura des herbes après dessus. Donc là, on va faire le beacon. N'est-ce pas? Essayez que l'épisode dure pas trop longtemps, que je puisse me reconnecter sur le serveur, s'il vous plaît. Oui, d'accord, on va encore le faire durer à peu près une heure et demie, je pense. Ouais. Voilà, je pense, à peu près. En fait, vous êtes en train de faire quoi, concrètement, du coup, vu que je peux rien voir? En train de construire une pierre. Ouais, on construit encore un petit peu. Dans le prochain épisode, vous inquiétez pas, ça va changer. On va peut-être aller chercher, visiter le Nether un petit peu, faire un petit tour là. Ah ouais. Pour nos têtes de Wither. On va dans le Nether ou pas? Bah, vas-y. Normalement, j'ai déjà dit, mais peut-être qu'ils ont pas entendu. Ah, merde, bah, Wither, voilà. On va aller voir le Wither. On va aller prendre des têtes de Wither pour faire un putain de Wither et pour avoir un beacon. Voilà. Et c'est pour ça que je construis la pierre, parce que le rayon du beacon sortira de la pierre. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça un petit peu plus d'action dans le prochain épisode. Voilà, ouais. Et donc je serai là, donc je vais sûrement me faire beaucoup tuer. Tu feras pas le Wither. Hein. Non, tu feras pas le Wither, boss. Ouais. Et faudra récolter un stack et demi de blocs de fer aussi. Deux stacks et 36. Deux stacks. Oui. Deux stacks et 36. Wow. Pour avoir la régène, c'est ça, sinon c'est 9 minimum. Bah. Potentiellement, moi je les ai les stacks, mais j'ai pas envie de tous les fournir. Mais arrêtez de me tirer dessus. Non. Il se prend pour qui, M. Sheila, là? Voilà, et aussi on voulait faire le tribunal pour faire quelques petites lois, comme quoi il y aurait des petites réglementations. Car, en gros, je joue un joueur qui faudrait tuer Pedro une fois par jour. Non, c'est pas voilà, ça, à peu près. Non, ce sera une des lois. Pierre Pedro 98 devra avoir un nombre croissant de morts chaque jour. C'est ça. Ça, c'est pas possible. Loi numéro 2 concernant Pierre Pedro 98. Pierre Pedro 98 devra être banni au moins une fois par jour.
Pendant une heure et demie. Bon, ou banni définitivement. Non, c'est, non, pas, c'est drôle. Pas drôle. Et toi, tu pourrais fermer ta gueule définitivement, ça ferait du bien aussi. Mais tu sais que c'est possible avec un cloque. Tu fais une cloque et tu débannis, tu bannis toutes les une heure et demie et tout ça. C'est possible de le faire. Le mec, c'est des cycles d'une heure et demie, tu sais. Il n'a pas le temps de construire sa maison. Tu veux faire quoi, toi? Tu veux faire quoi? Tu fais pitié. Attends, par contre, j'ai presque plus de vie. Attends, je vais mourir. Comment ça va? Aïe, oh putain. Coucou, Delta, comment ça? Aïe. C'est la voix inquiétante qui se fait martyriser. Aïe! Prends la flèche que tu m'as mis. Mais mon casque, il est mid là, t'es sérieux? Encore? Mais oui! Il l'a réparé l'autre jour. J'ai l'impression que mon plastron, il a encore pris vachement cher. Mais lui, il aussi, s'est arrêté de frapper les gens. Ouais. Du coup, toi, Alpha, tu fais quoi là en ce moment sur le serveur? Je mine. Bah, je suis rentré, là, je suis chauffé. Bah, Alpha, c'est le nain du serveur. Ouais, mais moi, je vais être riche. Ouais. Ça reste à prouver. C'est l'avantage. Et tu sais que potentiellement, là, je suis plus riche que toi? Potentiellement, mais je m'en bats les couilles. Ah. Ça, c'est la puissance du alpha. Ça. Voilà. C'est la violence. La violence. Je m'en bats les couilles. Mais j'aime beaucoup les stylos. Et tu peux aussi parler d'une série Delta où on sera tous là bientôt sur ta chaîne. Mais oui, 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 t'as raison. Non, peut-être une petite série qui arrivera juste après les vacances, normalement. Oh, on va faire un petit tournoi FIFA rapide, parce qu'on n'a plus de meilleurs 11. Voilà, alors, les meilleurs 11, on va les tourner, c'est juste qu'on est un peu, à la bourre la plus totale. Et donc, il va y avoir une petite compétition, donc on peut déjà vous dire un peu les affrontements. Donc, vu que j'ai des sous les yeux, autant que je le dise. Vas-y, donc, je t'en prie. Donc, le foot intervient dans Minecraft. Attention, ça rigole plus. Bientôt, il y aura un mode foot. Si ça existe pas déjà. Donc, le premier match, ce sera une opposition donc, entre Delta et MCEHLA. Yeah! Lol. Mais opposition. Je vais mourir! C'est la première victoire de Delta, plutôt, j'allais dire MCEHLA. Attends, on rigole pas avec ça. Le deuxième match sera opposera plutôt Valostilo donc et notre ami Alpha Red Fox. Lol. Voilà. Ensuite, moi j'affronterai personnellement quelqu'un. Oui. Alors je sais pas si je pense pas que les abonnés connaissent. Il n'y a rien détruit. Donc j'affronterai quelqu'un qui s'appelle Loïc, qui avait une chaîne où il avait fait Pira Lolo, mais au final il a changé de nom de chaîne, peu importe. Mais il y a combien de creepers là-dedans? Je trouvais ça pas trop sérieux, je pense. Voilà, et je suis vraiment content que personne ne m'écoute, j'adore ça, franchement. On est sur Minecraft. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Grande fierté pour moi. Bah ouais, enfin, moi j'aimerais bien y être aussi, sauf que le problème c'est que j'ai un problème de serveur et que vous allez prendre votre temps pour finir la vidéo à 25 minutes et que du coup, voilà. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc oui, j'affronterai donc Loïc. Et il y aura un match entre mon petit frère et puis quelqu'un d'extérieur à la chaîne. Je l'ai banni du serve, il est encore connecté, je comprends pas. Donc quelqu'un qui est aussi extérieur à la chaîne, donc mon petit frère et puis un ami à lui. Donc voilà, ça sera directement des quarts de finale. Ensuite, il y aura deux demi-finales et bien sûr la finale. Donc voilà, on espère que ça sera une belle compétition avec de très beaux matchs. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. D'accord. Monopolis, c'est bon, t'as fini? On peut reparler maintenant? On peut reparler de Minecraft, non? Tu vois, c'est un peu une vidéo Minecraft. Bon, en même temps, toi, pour parler, tu dis que des conneries, donc du coup, sans dire des... Et qu'est-ce que tu viens de dire, là, à présent? Une connerie, bravo, et il en est fier, en plus. Et toi, t'es pas en train d'en dire des conneries, abruti? Ah, grave, regarde, tu viens encore en dire une. Je vais être obligé de mettre une commentaire sur la vidéo, encore. Qu'est-ce qu'il y a, toi? C'est pas si spécial, mon rocher, là. Faut qu'ils apprennent entre la rage et le réalisme. Ça ressemble à rien, Melvin. Bah, toi, t'es souvent la rage, en fait. Et toi, t'es souvent le réalisme. Souvent. Non, mais t'es pas sérieux, sérieusement. J'étais en train de regarder mes plans de maison. Excuse. Je pensais que tu lagais. Par contre, je sais pas pourquoi il y a autant de creepers qui spawnent chez toi.
Là, je sais pas. Franchement, des fois, il y en a 6-7. L'Underman qui te prend la tulipe chez toi, là. Franchement, quel irrespect. Moi, je devrais enlever mon spawner à moi sous sa maison. Tant que c'est pas des blocs de quartz. Je pense que tu peux lui avouer que t'as mis un spawner de creeper en dessous. Foutu Underman, il est où ? On rigole. Moi, ça va, j'ai fait une vanne, personne ne l'a entendu. Moi, je rigole pas. Parce qu'on s'en va les couilles. T'as dit quoi ? Ah, c'est tellement bien de parler dans le vide. Ouais. En même temps, tu parles un peu tous les jours dans le vide. Oh, toi, je vole ton bois. YOLO. Tu sais qu'ils faisaient des trucs aussi comme ça ? Les nazis. Qu'est-ce que t'as avec les nazis, Delta ? J'aime les trains. Qui n'aime pas les nazis ? C'est le truc qui a rien à voir. Ah, moi, j'aime pas les nazis. Pourquoi ? Parce que c'était des malades mentaux. Bah, qui n'est pas malade mental? Non, ça, c'est pas mon cas. Oula. What? Oula. What? Quel est le but de ce reboot? Je sais pas. Ah, punaise. Quoi? Ouais, on tourne pile poil à la mauvaise heure. Il y a un reboot qui se fait chaque jour. Et puis, bah, voilà. Parfait. Non. On est de retour. Du coup, suite à ce reboot, hein, merci MCHLA. Ah, j'y peux rien. Prévenu. C'est un reboot programmé. Hein. Ah oui, mais tu pouvais au moins le prévoir, ce reboot. Oh. Oui, bah, pense un petit peu plus. T'occupes de rien, toi. Hein. Bah oui, bah, bien sûr. D'ailleurs, si jamais il y a je sais pas si c'est un abonné de Delta qui s'était amusé à venir sur le serve quand il n'y avait pas de whitelist. Si jamais cet abonné revient, ou un autre, hein. Ah d'accord, en fait, vous m'avez tué. Vous serez banni automatiquement. Enfin, je sais pas, il n'y a pas grand chose à faire d'autre. Voilà. Donc je suis de retour, j'espère que je vais pouvoir aller rechercher tout mon stuff que j'ai laissé chez Alpha, du coup. Je comprends pas qu'il y a un prof qui veut venir sur le serveur. Non mais ton stuff il a dispo, non, à tout. Non mais il a pas compris qu'il était pas mort, en fait. si, en fait. Non, t'étais pas mort. Il y avait marqué You Did, et j'ai cliqué sur le truc respawn. You Did, attends. Personne ne t'a tué. On en parle de ton You Did. Ouais. Be careful. Si vous voulez, on peut parler en général de mon accent anglais. Il est tout simplement dégueulasse. Ouais, c'est pour ça. Chier. D'accord, bon, bah, j'ai tout perdu. Je vais enfin pouvoir sortir mon armure en diamant, du coup, que je gardais au chaud. Ah putain, bon, bah, moi, ça je pense dire... que je vais arrêter cet épisode ici. Je finis un petit peu le mur et c'est bon. Donc, normalement, il me reste 4, 4, 3, 3. Ok. Non, mais sérieusement, attends, quand je fais quand je fais mes plans, tu me laisses. Ouais, c'est pas les couilles. C'était tentant. Ah, t'as vu, c'est trop tentant quand il est comme ça. Mais oui. Ce qui est tentant aussi, c'est la sœur à Jocelyn. Oui, bah, je te laisse avec plaisir, et si tu trouves ça tentant, c'était bizarre. Que vous retrouverez dans le Delta Force, hein, évidemment, elle sera là à tous les épisodes. Elle sera là à tous les épisodes, sous le bureau. Faudrait qu'il dise un peu comme Swiffer. Parce que... La bonne humeur du Delta Force vient de la sœur à Jocelyn. Ouais. Ah bah oui, attends. Elle a fini l'escalope, c'est pour ça. Oh, qui m'a fait ça, hein. Ah, c'est quand même la saucisse, la petite cochonne. C'est pas une petite cochonne. C'est une grosse cochonne. Non, c'est une moyenne. Règle numéro 1, quand vous tirez à l'arc en face de Valo, ne jamais s'approcher du bord. Ah, ça. Ah, Valo. Bon, je pense qu'on va arrêter cet épisode ici. En tout cas, vous pouvez quand même laisser un petit like. Voilà, cet épisode qui n'a servi à rien. Oh. Et pourquoi vous me tirez dessus? Moi, je fais rien. Voilà. Et donc, dans le prochain épisode, vous me verrez jouer. Du coup. Ah, mais c'est lui qui m'a tiré dessus. Bah oui. Non, je t'ai pas tiré dessus. Non, mais casse-toi, je vais mourir. Oh. Fireball. Non, mais ça va bien 2 minutes, les morts, là, tous les épisodes. Moi, mais il relance des flèches, ce mec. Je veux pas dire, mais bah oui. Valo a encore rien foutu cet épisode-ci. Oh, mais c'est bon, je suis pas habitué à... Bon, bah du coup, si on clôt l'épisode ici, je peux dire un petit mot pour la fin, s'il te plaît, Delta? Non. T'as peut-être assez dit, en fait. Bon, bah toi, t'en as toujours trop dit, et surtout, c'est principalement pour dire de la merde. Ah, putain. Je peux parler. Je trouve que vous êtes méchant. Yep. Réaliste, s'il te plaît. Oui, c'est pas pareil. Tu sais, le réalisme, le courant artistique fait. Oh. Ouh, ah. C'est violent. C'était très violent. Ah, je vais mourir. Non. Oh, j'ai failli te retirer une flèche en plus.
Il a dit d'arrêter de tirer les flèches, d'accord? Oh, ouais, attends que je récupère de la vie avant de tirer. Bon, il y a des diams là-dedans. Oui, je m'en vais avec les diams. Vas-y, moi. Bon, en tout cas, vous pouvez laisser un like, un commentaire, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez voir toutes les chaînes dans la description. J'ai du boulot pour tous les, toutes les mettre. Ah oui, ça c'est sûr, tu vas avoir du boulot. Très bien. Allez vous faire et on va faire péter la vidéo, la maison de Melvin. Voilà, un petit dôme pour la fin, tout le monde, quelque chose. Allez vous faire foutre, comme d'habitude. Je vous aime. Bisous, voilà. Les chouilles partout. Voilà, allez vous faire foutre, bisous. Ça c'est... Ça c'est allez, petit, si vous voulez savoir, allez vous faire foutre et bisous, c'est un petit, une petite compilation de mots que nous avons mis ensemble avec Valo dans un let's play très intéressant. Oui. Tout à fait. On se fait de la pub en fait. Un peu. Oui, on se fait de la pub. Oui. Mais tu parles, je ne mettrai pas la vidéo dans la description, c'est bon. Qu'est-ce que je t'ai fait? T'es communiste. Mais non, je ne suis pas communiste. Mon sang, il est communiste. So... Et alors, qu'est-ce que t'as contre les communistes? Oui, d'abord. Ah, je perds de la vie à une vitesse. Tu as dit quelque chose, Mélenchon, hein? Mélenchon, je veux que tu mettes une grosse photo de lui avec du rouge autour, s'il te plaît. Non. Non, tout de suite. Il va se faire flaguer. Et voilà. On va se dire à plus tout le monde pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. À plus. Salut tout le monde, allez vous faire foutre.